Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Salut The King of H3T, salut Nathan, hello Ultra Electron Gaming, salut Marc-Antoine, salut MR, salut Intox, salut Elbrojos, salut Lexo. Donc bienvenue pour ce nouveau vol. On n'a pas eu beaucoup de choix cette fois-ci, puisqu'on est un peu obligé de reprendre le 320 à New Zealand, puisqu'il n'y a aucun vol réel qui pouvait matcher. C'était le seul qu'il était possible de faire. Donc en effet, c'est pas le cas de figure que je préfère, c'est-à-dire reprendre deux fois de suite le même avion. Mais en l'occurrence, il n'y a pas eu le choix. Je voulais également essayer d'avoir la livrée All Black pour varier un petit peu du dernier live, mais même cette livrée-là, je ne l'ai pas trouvée en téléchargement. Donc c'est techniquement vraiment le même avion, ça va bien l'exo. Allez, alors vous voyez que mon avion est au sol, donc on va sur Volunta, et donc on indique notre destination du jour, Christchurch International, on fait rajouter un plan de vol, et ensuite on clique sur Simbrief. Donc on fait le vol Air New Zealand 642, qui est un vol qui part à 7h du matin en heure locale, puisqu'on vole en heure réelle. Donc il doit partir maintenant dans 13 minutes. Et donc vous voyez un petit peu notre départ. On va regarder le briefing, ce qui est indiqué. On voit un départ qui est indiqué en piste 23 et pour une arrivée piste 20. Ce qui en fait qui n'est pas très standard, puisque moi j'ai regardé un peu les cartes. Et j'ai vu que les départs se faisaient surtout en piste 05. Donc je pense qu'on va plutôt essayer de faire un départ en piste 05 si la météo le permet. Quoi qu'il en soit, avant de décider de quelle piste on va utiliser, je lance PAKX. Menu, Start Flight, Flight with Carrier Mode. Ok, ça c'est bon. On va baisser un petit peu le nombre de passagers. Et comme ça, on va laisser un petit peu le temps jusqu'au décollage. Quoi qu'on ait dit 12, non, ça on peut laisser à 16. Ok, hop. Wi-Fi, je pense. Boarding Music, oui. IFE System, oui. Custom Safety Briefing, oui. Start. Ok, c'est parti. Et donc on va dans le cockpit. Donc comme d'habitude, j'ai juste mis l'avion sous tension pour allumer les navs. Et je continue la préparation du vol, les pompes carburant, l'alignement des centrales IRS, le crew supply, les emergency lights, le seatbelt sign on, le no smoking auto, le nav est déjà déjà allumé. Et donc on attend tranquillement que l'avion se réveille. Salut Félix, salut Kevin, bonsoir, salut mes guides. Salut 237 Highlight, salut Patrice, salut H, LP, je sais pas comment il faut que je prononce, salut Hugo, donc ça va bien, merci d'être là. Alors, hop, allez, on y va, donc on va dans Init, on fait Init Request, et ça fait le boulot tout seul. Vous voyez qu'on a un niveau de vol 290 qui a été choisi, et on va regarder un petit peu la météo pour voir si on peut faire le départ en 05 qui sera un peu plus scénique. Salut Adrien. Est-ce que je peux te faire une dédicace? Adrien, ça veut dire quoi de faire une dédicace? Désolé si je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, vous voyez, 200 pour 3 nœuds, on va pouvoir faire le départ en 05 qui sera un peu plus scénique. Alors, flight plan, departure. Donc on a dit piste 05. Par contre, il faut que je choisisse ma cible de départ. Ça va pas être la NAG Sungu 3 uniforme. Alors est-ce que j'ai Sungu 4 papa? On va voir ce que ça donne. Insert. Alors. Non, c'est pas la météo que je veux. Un peu long pour afficher le plan de vol. Non, c'est pas du tout ça que je veux comme départ. Normalement, il y a un départ qui fait faire une espèce de boucle. Alors, excusez-moi, je vais regarder un peu sur les cartes. Comment ça s'appelle?
Si Renault 05, c'est laquelle? Bridge Mine Departure, attendez. Alors, j'essaie de retrouver la CID que j'ai envie de faire. Alors, j'aurais pu préparer un peu mieux le vol, je vous le concède. Volontiers. Je l'ai pas, celle-ci. Tout caddie pour eux, tout ça va. Pas la cible que je voulais. R9, Renault 05, Porsche. Je crois que c'est celle-ci. Celle-ci que l'avion a fait hier. Et celle-ci, c'est quoi? En Porsche, Sri Alpha Departure. Je l'ai pas non plus, mince. Ah oui, mais Maxime, t'es jamais utile justement. J'arrive pas à trouver la suite qu'il faut que je fasse. Sinon, ce qu'on va essayer, non. Okay. Donc là, ça m'a nettoyé le plan de vol. Je vais essayer de voir si je peux rajouter. Alors, NZQN, Next Waypoint, QNU. Alors, je vais voir si je peux rentrer manuellement les points. Je suis pas très optimiste pour être franc. Ok, insert. Alors, est-ce que ça m'a mis le bon point? Ouais, on ne voit pas loin. Bon, attendez, je vais remplir les points et après on va voir ce que ça donne. Alors, QN843, ensuite QN846. Alors, QN846. Certes, ensuite QN 849, ok. Certes, je sais pas s'il faut que je fasse une certe à chaque fois. Ensuite, QN 852. Not in database. Ok, c'est parfait. Je recommence. Peut-être que j'ai fait une erreur. Donc QN 852. Bon, décidément. QN 852, il ne l'a pas. Donc ensuite, j'ai l'EMAC. Ok, donc l'EMAC. Ok, insert. Ensuite. Ensuite, les Mac, j'ai QN 861. Ok, insert. Ensuite, après QN 861, j'ai Metux. Ok, insert. Ensuite, Metux, Ampov. Ampov, c'est bon. En fait, là, je tape la seed manuellement parce que je la trouve pas. Ensuite, j'ai Advor. Alors, Advor. Ok, embarquement terminé. Et après Advance, j'ai Timjo. Alors, Timjo. Timjo.
Ok, insert. Alors, mon ami, après, il va falloir que j'enlève des points que je veux pas. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne sur la carte. Alors, c'est presque ça que je voulais, cette espèce de boucle qui est un peu étrange. Mais je pense parce qu'elle est un petit peu décalée. Mais sinon, ça me plaît. Team Joe. Par contre, ce que je vais donc enlever, je vais enlever le point Ablup que je veux plus. Alors, Cleared. Insert. Alors. Bon. Ben voilà qui est pas mal. Voilà qui est pas mal. Donc c'est normal cette boucle parce qu'en fait, à cause du relief, les avions font un virage à gauche au-dessus de la montagne et ensuite évitent le relief. Donc il y a pas mal de respect, d'altitude à respecter. Pour tout ça, alors on va quand même regarder ce que ça nous donne sur le plan. Alors, je me mets en mode plan. Vous voyez, donc ça correspond, cette espèce de boucle très étrange. J'essaie de zoomer, on est au maximum. Donc en fait, on va décoller, on va faire un virage à gauche, encore à gauche, encore à gauche, encore à gauche. On va faire une verticale terrain et on va reprendre. En fait, on va vraiment faire un espèce de 360 pour gagner de l'altitude. Avec donc un impératif d'altitude. À QN846, hop, donc c'est celui-là. Donc là, on devra être. Non, là, j'ai pas encore d'altitude. C'est à QN849. Donc ici, on devra être impérativement à 6000 pieds ou au-dessus. At or above 6500, at or below. Et alors ensuite, à l'EMAC, on doit être entre 6500 et 11 000, mais on ne doit pas dépasser 11 000, je ne sais pas pourquoi. On ne doit pas dépasser les 195 nœuds. Quand on va repasser, donc quand on repasse, c'est QN843, donc c'est ici. C'est un peu complexe quand même ce départ. J'avoue que si vous regardez la carte. Et en tout cas, Metux, donc qui est le point. Passons ça. Donc ici, on doit être à 12 000. Que je pense que si je mets les informations ici. Non, il les a pas, parce que comme c'est pas une seed, comme je l'ai rentré manuellement, j'ai pas les attitudes. Bon! Voilà, donc désolé, je n'ai pas regardé vos messages. Je vais mettre un petit peu plus de contraste sur les écrans. J'aurais pu le faire avant. On est censé partir dans 5 minutes, donc ça va être pas trop mal. On va hop, allumer l'APU. Je vais dire au revoir au Power Unit. En tout cas, la météo est bonne. Hier, il y avait du brouillard quand j'ai fait un test à peu près à la même heure. Mais aujourd'hui, ça va, la météo est vraiment très bonne. Évidemment, il faut pas oublier d'indiquer le terrain aujourd'hui. Alors, non, Maxime, c'est pas depuis 3 lives. Par contre, c'est vraiment la même boarding musique que le dernier, étant donné qu'on a fait du Air New Zealand la dernière fois. T'as fini de râler un petit peu? Alors, l'Exocritcher, c'est sur la côte est de la Nouvelle-Zélande. If I can do Air New Zealand 787-9, next time, unfortunately, we don't have the 787-9. So, when you have the dash 10, Air New Zealand doesn't use it. Salut Guillaume! Bonjour Mel! Salut Nico! T'as pu racheter la 321 au moment d'accéder au jeu, un message apparaît et le jeu s'arrête tout ça. À mon avis, ton 321, il est pas. T'as dû prendre le PMP, mais il doit pas être compatible, je pense. Salut Henri, pas de soucis. Mais j'ai plus rien, c'est la boarding musique des Nouvelle-Zélande. Salut Tristan, bonjour Jean-Paul, on s'en sort de nous, salut Simulation.
Non, je suis pas pilote en vrai, Adrien. Yes, Maxime, j'utilise toujours Airmat depuis que tu me l'as conseillé. L'APU, c'est bon. On va enlever les escaliers. On n'a pas fait notre tour avion et ça, c'est pas bien puisque c'est réglementaire. Donc, on va faire notre tour avion rapidement puisqu'on a perdu, enfin, pas perdu, mais on a pris du temps au niveau de la préparation du vol. Donc, vous voyez, hein, l'avion est tout propre, tout beau, tout neuf. Hop, voilà, moteur, ailette, train d'atterrissage. À peine qu'il fait du bruit. Moteur 1, charclette, livré. Tout est beau, tout est propre, tout est neuf, c'est parfait. Ok, donc l'annonce d'arrivée c'est bon. Alors, ce qu'il me reste à faire, donc en init, on va voler, donc on a dit FL290. Ok, 290, c'est bon. Alors, QNH. QNH, ah bah QNH je l'ai pas. Alors, c'est vrai que QNH ne marche pas ici. Alors, Meta NZQN, Meta NZQN, QNH 10.04. Alors, hop. Alors, hop, 10.04. Ok. Allez. Hop. Quelle heure il est? Il est 7h de là-bas. Allez, début du pushback. Je vous mets les manettes. Henri, qu'est-ce que je pense de Volanta? De Volanta, pardon, de Volotea, excuse-moi, j'ai lu trop rapidement. J'ai jamais pris Volotea, mais je pense que ça va. Salut Yannis, bonjour. Ouais, non, je pense, Maxime, ça doit être une incompatibilité. Et puis en plus, il faut payer les racks, donc c'est probablement pas forcément les mêmes, mais c'est pas très grave. Kevin, le temps de vol aujourd'hui, c'est une bonne question. 49 minutes, donc c'est un vol assez court aujourd'hui, ça me change un peu, parce qu'on a fait pas mal de vols la saison dernièrement. Donc aujourd'hui, ça va être un vol sans coupure. Allez, hop, reverse. Allez, c'est parti, ignition start. Ah, ça c'était pas dans le bon, ça c'était ma faute, j'ai mal mis les manettes. Et on démarre avec le numéro 2. Il faudra qu'il démarre. Ah, j'ai oublié la pile vide. Ah, on a démarré si j'avais pas mis la pile vide. Hop, on tourne. Donc là, je vais être très court, la piste est juste là. Ah, c'est assez joli quand même avec la montagne derrière. Donc, c'est de vous mettre. Alors, faut que je fasse attention parce que c'est vrai que dans le live vous avez en plus. Il faut que je fasse comme ça pour que vous voyez.
les caméras gênent pas. Après. Ok, donc démarrage du numéro 2, c'est bon. On va faire démarrage du numéro 1. Hop. Salut Maxime. Allez, bon réveil demain. Bonsoir, Swan. Henri, ben en fait, parce qu'on n'a pas le choix, il n'y a pas beaucoup de choix de vol au départ de Queenstown. Donc en fait, c'est le seul vol qu'on peut faire en heure réelle. Donc c'est vraiment très limité. Donc c'est pour ça que, exceptionnellement, en effet, on est obligé de prendre deux fois le même avion et la même compagnie. C'est pas idéal, mais voilà, c'est pas trop le choix. Décollage en vue cockpit, qui on va faire un décollage en vue cockpit exceptionnellement. Bonjour, Kira Walk. Allez, les flaps 1 c'est déjà mis. Hop, les flaps 1 c'est déjà mis. On va faire le contrôle des surfaces, full left, full right. Gone. Queue up. Rudder right. Rudder left. Ok, flight control check. Ignition mode norm. Parking brake off. Taxi light on. On va allumer le petit casse, le PWS. On va armer les spoilers auto brake. Autobrake max. Hop, ça, je repasse en mode arc. Et on va juste avant de partir. Alors, perf, hop, hop. On va partir avec trim 1.5. Flex to température 55. Ok, et on va régler donc la trim. Donc on a dit 1.5 à peu près. Ok, trim c'est bon. On peut vérifier si je clique sur flight control, trim 1.6, ouais bon c'est pareil. Ok. Ça c'est bon, on va demander à l'équipage de se préparer tout de suite. Appui bleed, on enlève. Ok, ça c'est bon. Yes, it presents pretty good looking aircraft. Nathan, est-ce qu'on pourrait faire un vol au Qantas? Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on n'a aucun avion dans le jeu que Qantas opère. Donc je pense que c'est assez peu probable. Bonjour, Yannis, ça va bien? Salut, Walter. Allez, donc on va s'aligner tranquillement piste 05 avec donc notre départ particulièrement complexe. Là, on vérifie qu'on n'ait pas d'avion à l'horizon. C'est plutôt bon. Clear left, clear right. Ok, landing lights, strobe light on. Et on remonte donc la 05. Oui, c'est assez joli avec le soleil, les rayons du soleil en cockpit. On est un petit peu en retard, voyez, expected departure, là on aurait dû décoller. C'est vrai que j'ai été un petit peu long au niveau de la préparation du vol. Salut MR, bonne nuit alors. Ok, on vérifie si on n'a rien oublié, hein. Je pense qu'on est bon, hein. Et Cam New Blue à part le take-off config.
faire demi-tour sur la raquette. Symétrique. Et donc on va faire un décollage dans le poste. Alors hop, ici je vais remettre le zoom. Ok, je vais juste me refaire juste un petit check au niveau de la carte. Donc, il ne faut pas que je dépasse les 195 nœuds. Il faut que je sois à 6000 pieds à QN 849. Ok, c'est parti. Le chrono check. Manflex 55 SRS. Chrono NR blue check. La rotation. V1, rotate. Gear up. Ok, donc là on monte. Vous voyez que c'est tout rouge sur l'écran. Là, il faut que je sois à 6000 ici. Level climb. Hop. Comprenez un petit peu la procédure de départ. Du relief. Ok, 4000. Ok, flap up. Ok, donc on a dit QN 849, on doit y être à 6000. Ok. Un peu de turbulence. Feet to go. Ça donne un petit peu le taux de montée, 5500. On voit que l'entrée est un petit peu parti, je pense qu'il est un petit peu perdu à cause de cette procédure de départ. Ok, 6000 c'est bon. Et donc les Mac, on ne doit pas y être. Par contre, au niveau de la vitesse, j'étais censé ne pas dépasser 195 nœuds. Donc, je suis trop rapide. Je vais mettre. Okay, je vais régler ça. Okay, je vais mettre 195 nœuds ici. Ce que j'aurais dû faire, mais je me suis fait un petit peu avoir. Ok. Okay, donc on cherche 195 nœuds et on continue notre procédure de départ. Ensuite donc les Mac. Donc les Mac, ensuite après c'est vertical terrain. Ok, et donc les Mac c'est entre 6500 et 11000 pieds. Donc on est à 8000. Les 195 nœuds. Ah oui. Le pèse automanette d'activer, donc c'est vrai que ça c'est compliqué. On cherche les 195 nœuds, ouais, la vitesse est un peu faible. Okay. Allez, et on refait, vous voyez, on repasse
Vertical terrain. Une âme lente n'était pas censée dépasser les. Ah, la vitesse, il a vraiment du mal. Il respecte pas la vitesse que je lui donne. Il respecte pas la vitesse. Il respecte pas la vitesse. C'est n'importe quoi au niveau de la vitesse. Allez. Et on continue à monter. Donc on fait notre vertical terrain. Donc là, on n'est pas censé dépasser les 195 nœuds. Et ok, on est un peu en dessous, on est presque à 200 nœuds. Allez, je vais repasser en automanette. Allez, maintenant la vitesse, il va pouvoir la gérer comme il veut. On passe bientôt 10 000 pieds. Ok, et maintenant. Allez, autopilote on. Et donc il va à Metux, donc c'est ce qu'il nous faut. Metux, il faut le passer. À 12 000 maximum. Donc je vais mettre 12 000 ici. Ok, 12 000. C'est un peu compliqué ce départ. C'est vraiment un aéroport passé un peu Queenstown. Vous voyez, c'est quand même très compliqué cette espèce de procédure de départ. Avec beaucoup de vitesse et d'altitude à respecter, en plus de virages. On n'est clairement pas sur un aéroport standard. Ok, on arrive à 12 000 pieds et on se tape des turbulences. Les passagers sont secoués, mais bon, ils ont l'habitude hein, dans la région. La vallée est quand même plutôt jolie. Là, on va laisser les passagers attachés pour le moment. Mais pour le coup, c'est vraiment des jolis paysages ce matin avec, avec de la neige puisqu'on est l'hiver là-bas. Très très beau. Allez, Metux 12 000. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai comme at or above 180. Maintenant, il nous faut 180 pour hop pour advor. Non, non, en pauvre. Ah non, en pauvre, j'ai pas l'indication. C'est le point d'après où il faudra être à 180. Qui est donc celui-là. Alors je vais lire un petit peu vos messages, j'étais un peu. Christophe, tu es au Canada de la chance, jaloux. Pas de soucis, le King of the City, je crois que tu regarderas en replay, tu vas accéder à un décollage compliqué comme un peu tout en Nouvelle-Zélande. C'est pas un pays simple. Oui, Titouan, c'est un vol plutôt court. Yes, c'est assez beau, c'est très beau les paysages. C'est aussi l'intérêt de faire un vol ici. Vous voyez qu'on se fait quand même pas mal secouer. Mais énormément. C'est un peu violent comme région. Il y a tellement de relief que ça a tendance, le jeu modélise ça comme des turbulences. Bon. Et voilà, c'est pas simple, mais c'est ainsi. Je vérifie, qu'est-ce que j'ai d'autre ensuite? J'ai 180. Et après, Team Joe, c'est maximum 250.
donc là je maintiens 180 ici et ensuite ici ça sera 250. Et puis après ça ira quoi, on arrêtera les contraintes de ce vol qui sont quand même compliquées. Donc on ne détache pas les taxes, hein. Vous voyez que ça bouge encore beaucoup. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais faire un peu les lumières, les landing lights au moins. Yes, c'est très beau, merci Félix. Nathan, Christchurch, Melbourne, il faut que tu fasses la proposition sur Discord en fonction du vol que tu proposes. Je sais qu'il y a très peu d'options, mais l'objectif est quand même de passer à. Hop, je vais passer en standard, voir ce que ça donne. Il faut donc faire la proposition de vol en Discord. Je vais repasser, je changerai après le piano, sinon il va partir. Voilà, donc on dit un peu au revoir aux belles montagnes de Nouvelle-Zélande. On va retrouver la côte. Vous voyez les très beaux fjords qu'on n'a pas vu à l'aller pour le coup, puisqu'il faisait assez mauvais, il faisait assez couvert sur les montagnes à l'aller. Là c'est plutôt sympa, on voit d'autres paysages. Donc ça c'est quand même très très beau. Passage de 95%. Allez, on va bientôt. Hop, continuer notre montée. Donc ici 250. Allez, je vais préparer au niveau 250. Je sens que notre niveau d'altitude finale, je crois que c'est 290. Hein. Faxkin, non, pas de nouveaux avions. Il y en a un que je teste le 330-900 Neo, mais il n'est pas encore sorti. J'ai fait un premier vol tout à l'heure. Prometteur, voilà, il y a encore quelques petits trucs quand même à vérifier et à refaire au niveau de la vitesse. Je vous proposerai peut-être un live en 330 Neo bientôt. On verra. Mais c'est assez prometteur. Mais pour le moment, les autres, je pense qu'il va falloir être beaucoup plus patient. Allez. Allez, maintenant c'est bon, Advor. Et donc 200, hop, 250. On reprend la montée. Qui se fait toujours autant secouer, hein, ça pour le coup. It's a bumpy ride. Yes, Guillaume, mais dans le 330 Neo que je teste, il y a 8 livrées qui sont incluses, mais il n'y a pas la livrée d'Air Calin. Donc c'est un peu compliqué. Là, c'est quand même incroyable, les turbulences sont vraiment super fortes. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai rarement vu autant de turbulences qu'en Nouvelle-Zélande. C'est quand même compliqué ce pays. Et ouais, par contre, comme ça, c'est un but. Je vous montrerai peut-être ça. Et pour moi, une petite. Voilà, j'ai fait un premier vol tout à l'heure avec le 330 Neo que je teste. Il a pas mal de. Il utilise en partie les systèmes de fly-by-wire, mais en fait, pas la dernière version Vista ni développement, parce que ça ne peut pas marcher avec. Mais une autre version, donc une petite incompatibilité actuellement avec le 320 fly-by-wire, que j'ai dû l'enlever de mon folder community pour faire ce vol notamment. Donc ça il va falloir donc voilà, donc il y a quand même pas mal de trucs à corriger. Alors j'y suis pour rien, les turbulences, hein. C'est pas moi qui les modélise, hein. Je fais rien, on est en pilote automatique, donc c'est le pays, c'est comme ça, ça bouge. Allez, et maintenant Eldac, allez, on n'a plus de limitation, on va pouvoir reprendre notre montée.
Donc notre niveau de croisière, niveau 290. Hop. Ce que je vais enlever aussi. Hop. Putain, ça bouge encore. Comme ça bouge. J'arrive pas à éteindre la lumière parce que le curseur il bouge trop. Allez, calme. Voilà. Tranquille. Voilà. C'est bon. Allez, on va regarder un petit peu sur Volonta ce que donne notre départ. Donc c'est vrai qu'on ne suit pas trop la route choisie. Et donc vous voyez, donc on a quitté notre parking, on a repoussé ensuite roulage face au nord, demi-tour autour de la raquette piste 05, départ, ensuite virage à gauche, ensuite à gauche, 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 encore à gauche, verticale terrain. Et ensuite, donc vous voyez, on est resté dans la vallée, là où il y a moins de relief, pour pouvoir gagner de l'altitude, et ensuite pouvoir franchir les différentes chaînes de montagne. Donc là, on prend donc la direction du nord-est, donc Richards, qui était là, qu'on a survolé en fait à l'aller quand on est venu de Auckland, pour ceux qui ont suivi le précédent live. Donc Auckland c'était ici, on a fait un vol qui faisait à peu près comme ça, de routine. Et donc on a survolé Richards. Hop. C'est pas le front froid, c'est quoi le front froid soigné? Pas qu'il vaut pas le service Catherine, c'est pas. Là, je vais mettre un petit peu de. Hop, on va mettre un petit peu de vue d'ail, c'est apaisant comme ça. On voit que ça bouge, mais c'est joli quand même les montagnes, très joli les montagnes. Ça fait un peu penser au paysage européen. Pour nous, c'est pas forcément des paysans, mais. Alors, ce que je vais regarder. On va regarder quand est-ce qu'on est censé commencer la descente. Alors, top of climb, top of climb. Là, on arrive au top of climb. Alors, où sont les minutes de vol déjà? Ici, time. Ok, 5, 1, 1, 3, non, 7, 12, 31, 49, top of descent. Au bout de 21 minutes. Je pense qu'on est déjà 21 minutes. Non? Ah non, on n'est pas encore. On a 17 minutes de vol, donc on est censé commencer la descente. Au bout de 21 minutes. On était censé arriver à la croisière au bout de 14 et on est arrivé au bout de 17. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on va pas rester très longtemps. 21 minutes, je regarde, on est à combien de nautiques de l'arrivée? On est encore à 105 nautiques, ouais. On a décollé haut, c'est vrai. Donc, ok, le front froid, ok, non mais c'est possible, hein. Je suis pas. Ok, ça marche, ouais. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu turbulent, mais j'ai peur que si je détache pas les packs, ils soient pas très contents, mais là c'est pas très raisonnable. Jolie vue avec. On voit encore la lune derrière. Ouais, je pense qu'il y a des turbulences qui sont. C'est particulièrement à cause des montagnes qu'on a des turbulences comme ça. Peut-être que le jeu les exagère un petit peu, hein, ça, je ne sais pas. Mais moi, j'avoue que j'ai déjà rencontré des turbulences fortes, mais c'est quand même assez rare, quoi, de cette intensité. Hein. Donc là, comme ça fait deux vols de suite qu'on a de ce type de turbulence, je me demande si c'est pas un petit peu exagéré, quoi.
Allez, on va préparer un petit peu l'arrivée. Alors, Enter Destination Data, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on doit utiliser comme piste pour l'arrivée? Ta, piste 20, on n'a pas de piste pour l'arrivée. Enfin, si on a la piste, mais on n'a pas de star, pardon. Alors, piste 20, ILS 20, hop. Insert, on va prendre ce qu'il nous donne, on va voir ce que ça donne un petit peu sur la carte. Espèce de vertical terrain, ouais, c'est pas terrible ça comme approche. En plus là, je sais pas où il va là. Il cherche un autre point. Ça, il fait n'importe quoi. C'est reparti. Sacré, sacré, sacré 320. Ok, alors on va reprendre l'arrivée parce que c'est pas bon. Alors, arrival. Donc la piste 20, ça c'est bon. Par contre, c'est le Mustard. Novia. Ok, insert. J'enlève tout ce que ça me plaît pas. Ah mais là ça n'a pas forcément bien joué ici. Alors on va mettre en mode plan et on va zoomer un petit peu. Un peu nul cette espèce d'arc de cercle pour rien là. C'est un peu du parcours pour rien. Est-ce que j'ai une indication DCT Q196? Non, j'ai pas d'indication pour l'arrivée. R313 pour que la route ressemble un peu plus à quelque chose et dans perf next phase. Ok, on va mettre les informations pour l'arrivée. Alors arrivée 995, 200 pour 3 nœuds et 9 degrés. Alors 995, 200 pour 3 nœuds, très calme. Et 9 degrés. Ok. Play plan. Alors, je repasse en arc. Alors, qu'est-ce que ça me donne maintenant? Alors, le direct, il l'a pas pris. Donc, c'était direct R329 que je voulais. Direct. Ça marche pas. Ah là là, puis il est compliqué cet agent quand même. Hein. Quand il veut pas bosser, il veut pas bosser. Hein. Les directs, c'est toujours des trucs qui sont compliqués sur ce point. Est-ce que c'est parce que là, il est. Non, c'est pas du tout ça que je veux. Il veut me mettre un point imaginaire. Des points à des milliers de kilomètres, c'est pas bon non plus. Je mets R329 direct et il ne prend pas.
d'abord je supprime. Bon, décidément, il a décidé de ne pas bosser aujourd'hui. Bon, quoi qu'il en soit, on va commencer la descente. On a 91 nautiques de l'arrivée. Est-ce qu'on a des altitudes à respecter? On a juste 2500 à la fin. Donc, on va d'abord mettre 10 000 pieds. Et c'est parti pour la descente. C'est compliqué la Nouvelle-Zélande. Hein. C'est quand même pas des vols qui sont simples. Hi Atul from India. Bonjour Mr. Prolet. Alors pourquoi ils tournent maintenant? Ils vont, non, ça c'est. Enfin c'est bon. Il me fait des points que je veux pas. Si je les supprime manuellement. Ça marche pas. Cleared. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur cet avion? Les directs, ça a toujours été des choses qui ont été compliquées, qui sont de temps en temps buggées. Par contre, c'est fou quand on a eu beau temps alors qu'on était en montagne pour le départ. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'on arrive. Là, une météo un petit peu moins sympathique. Je vais enlever le terrain ici, je vais le mettre ici et je vais mettre la météo. Alors, weather, hop. Ouais, on voit un petit peu de météo ici. Mais ça va, on passe à côté. Donc, comme ça, on fera une sorte de vertical terrain, c'est pas très grave. Alors, on va regarder un petit peu notre parcours depuis que nous sommes donc avec notre fameux départ de 360. Et vous voyez que là, on arrive tout droit vers Christchurch. On va faire une espèce de boucle comme ça pour venir se poser dans l'autre sens. Donc, piste 20-20. Je vais regarder un petit peu hop, le métar. Ah. NZCH, donc NZCH, en vrai il dit qu'il n'y a pas de nuages, en vrai il dit qu'actuellement il n'y a pas de nuages, je vérifie que je suis bien en météo réel, ouais, je suis tout en direct, peut-être un petit décalage, c'est pas grave, on continue de descendre tranquillement. Je fasse attention, R313, R313, c'est lequel? Je vais remettre les informations. Là, on a 22 nautiques, on est encore à 20 000 pieds. Et on a tout ça après, ouais, je pense que ça va aller la descente. On va accélérer peut-être un petit peu, mais. Je vais mettre un petit coup de spoiler. On est peut-être un petit peu haut. Et puis on verra bien. Salut Yannou, félicitations déjà pour avoir installé Flight Simulator. Des conseils, ça dépend. Est-ce que tu as. Ah oui, l'anti-ice. C'est vrai que j'ai une tendance à toujours oublier l'anti-ice, moi. Heureusement que vous êtes là. Merci Guillaume. Des conseils, ça dépend. Si tu as déjà fait du simulateur, amuse-toi bien. Tu verras que la prise en main. Est assez rapide, sinon tu peux faire les différents tutos des tutos, ça peut c'est toujours bien pour la prise en main tranquille. Allez hop, je mets 2500. Hop. Ici.
AG Thomas, c'est quand une vidéo en 787? Ben, il faudrait qu'il y ait un vol qui matche avec le 787-10. Ici, c'est pas trop possible en Nouvelle-Zélande. J'ai bien une idée pour dans un ou deux vols, ou peut-être plus. J'ai bien une idée de vol qui sera en 787 dans assez peu de temps. Mais il faut pas que ça vienne de moi, que ce soit vous qui le proposiez en fonction des prochaines destinations. Mais ça serait un vol qui serait possible de réaliser en 787-10 en heure réelle et qui aurait une durée de vol compatible et des horaires compatibles avec un live. Voilà ce que je peux dire. Ah ok Benjamin, bienvenue. Merci d'être présent sur ce live. Ouais, à Paris-Los Angeles, ça se fait pas en 787, donc ça risque pas d'être ce vol-là. Allez, on passe 15 000 pieds. Je vais mettre le QNH de l'arrivée, donc 995. On voyait qu'on n'a pas détaché les packs, hein, les pauvres, ils sont restés attachés pendant tout le vol. Mais bon, c'est ainsi. Non, j'ai pas dit que c'était un vol court, j'ai dit que c'était un vol qui était. Non, c'est pas un vol court, il n'y a pas beaucoup de vols courts en 787. En tout cas, pas dans cette région du monde. Allez, bon, je surfe un petit peu sur l'image, c'est plutôt sympa. Faire attention au parcours, parce que ça, justement, quand les points se chaussent, comme ça, il a tendance à tout faire sauter. Donc là, j'espère qu'il va bien partir à gauche. Sinon, ça va être un petit peu gênant. Niveau 120. Nathan, est-ce que c'est possible de faire un vol de Christchurch à Melbourne en 737? Mais on n'a pas de 737, donc c'est pas possible. Allez, tourne à gauche. Tourne à gauche. Tourne à gauche. Il tourne pas à gauche. Il tourne à droite. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne à droite. Il fait n'importe quoi. C'est vraiment le problème de cet avion, c'est que dès que les plans de vol sont un peu compliqués, il fait n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on va reprendre en HDG. Et donc là, il cherche à baisser. Tu peux maintenir les 250. Continue ta descente. Oui, hein, vous avez été témoin, il est incapable de suivre une route un peu compliquée. Surtout quand on a déjà traficoté un petit peu les directs, les machins, il a beaucoup de mal. Bon, je ne vais pas m'amuser à aller jusque-là, on va juste faire le vent arrière tranquillement. Ok, je vais rentrer les spoilers. Il faut que je vise 2000. Pour établir l'ILS, allez hop, 2000. Et là, on va augmenter, on va mettre 2500, on va augmenter un petit peu le taux de descente, sinon on va pas y arriver. Vertical speed engage, ok. Allez, landing light on. Wings light on. C'est de ma faute, 200. Je vais mettre un petit coup de spoiler. Voir un petit peu le terrain.
Alors, est-ce qu'on arriverait à faire un direct pour R19? J'en doute fortement, mais on va essayer. Direct. Non, 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 il me fait n'importe quoi. Oui, il faut partir à droite, il part à gauche. À croire qu'il fait exprès de faire ce qu'on lui demande pas. On va rester en HDG, ça va pas nous empêcher de capter l'ILS, c'est pas grave. Vous voyez que pour le moment on est au-dessus du glide, donc il faut encore qu'on descende. Par contre la vitesse elle est assez élevée. Je vais mettre un peu plus de spoiler, on a 292, qui est pas terrible à 4000 pieds. Je pense qu'en vrai, on se prendrait quand même pas mal d'amende aujourd'hui entre notre excès de vitesse au départ et à l'arrivée. Et allez, hop, on continue notre virage. Je passe en nav mode. Hop. Ok. Pour établir 2500, je pense on va garder maintenant cette attitude. Et donc on va prendre le cap 120. Hop, 120. Guillaume, est-ce que j'avais une nouvelle nuage d'XP? Non, j'ai pas vu. Mais en même temps, j'utilise pas XP, donc je me sens pas très concerné. Vancouver, c'est où? C'est un 87, ouais, c'est pas mal. Pour commencer à livrer les nuages. Ah, tu dois avoir les. HD Thomas, je pense que tu dois avoir les nuages, les ailes roses, non? Ça doit être ça, je pense, comme souci. Il y a un moyen de plus les avoir si c'est ton problème. Valentin, c'est la 320 NX de Fly-by-Wire que j'utilise, version développement. Ok, allez. Ça c'est pas mal. Allez, on va repasser en speed manage. Allez hop, flap one. Ouais, je sais, mais c'est pour le forcer un petit peu à descendre. Enfin, réduire plutôt. On a des nuages bas, donc ça va être plutôt sympa. J'espère que l'ILS va fonctionner. Activer lock. Hop, je vais vous remettre les gars, les manettes, pardon. Ah ok, cool Guillaume. Yanis, la prochaine destination sera décidée en fonction de ce que vous m'indiquez sur Discord. Ok, speed break arm, auto break low. Lockstar. Donc vous voyez là, on est au-dessus du glide et le lock est à gauche. On est en train de capturer le lock, donc vous voyez que je ne suis plus en mode heading. J'attends qu'il capture le lock tranquillement pour ensuite activer le mode donc approche pour l'arrivée. Ouais, c'est pas très compliqué, hein. Dans 3 minutes 20, on sera peut-être un petit peu en retard. En même temps, on a décollé avec un peu en retard. Allez, hop, on active l'approche. 4-3, dual, ok. Ok, log capture. Attends de voir qui. Alors, on va regarder notre vitesse de référence pour l'atterrissage. Alors, perf, activer approche, confirme. Vitesse d'approche 136. Ok. Let's stop live. Allez, on va mettre 155, donc on finira à 136. Flap 2, speed check, gear down.
Alors, on ne voit pas encore la piste, mais on devine des lumières là-bas. Mais vous voyez que sinon, c'est les nuages. Donc, par rapport au météo qui indique grand beau temps, décidément, la Nouvelle-Zélande sera compliquée jusqu'au bout. En tout cas, ça offre des paysages un petit peu différents, c'est pas très mal. Allez, flap 3 en 45. Je vois pas l'autobreak activé là. Cabin crew. Advice. Allez. Et flap full. Et donc on réduit, on a dit 136 nœuds. On est bien établi hein, sur. Vous voyez, on est parfait au niveau du lock et du truc. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir la piste qui devrait nous apparaître comme par magie. Ouais, je vais vous montrer. Comme on a confiance, je vais même le mettre en mode drone. Et qu'est-ce qu'on voit arriver devant nous parfaitement? Commence à apercevoir la piste. Et la voici devant nous. Plutôt joli quand même, ces nuages. Et cette arrivée Allez, autopilote off, tomanette off, mon avion. On aurait pu laisser l'autoland jusqu'au bout, mais comme on voit la piste là, je suis permis de la désactiver. Reverse green, diesel. Bon, c'est un plutôt bel atterrissage. Knots. Manual braking. Et on va, allez, on va remonter la piste là pour dégager. Je pense que ça doit pouvoir se faire. Bienvenue à Christchurch. J'ai pas regardé par contre où se garent les avions. Alors, hop, landing light, taxi light, je l'enlève. Non, taxi light, on va garder. Est-ce que je vais enlever ce genre de l'estrobe? Alors, spoiler. Alors, qu'est-ce que vous dites comme message? Attendez, excusez-moi, j'ai pas tout lu. Tu fais que des vols commerciaux, parfois tu t'éclates avec tes petits avions. Je suis pas très petits avions, hein, pour être très franc, Benjamin. Moi j'aime vraiment beaucoup les liners. Après, en live, je fais que des vols commerciaux réels. Mais après, moi ça m'amuse aussi de faire des vols un peu plus déconne pour m'amuser. Mais bon, je pense pas que ça mérite du live, donc c'est pour ça que je les garde pour moi. Donc voilà à peu près. Et on va venir se garer ici. Je crois que la passerelle va fonctionner. Porte 21. Je suis un petit peu trop avancé. On va dire que ça va. Allez, hop, on coupe le moteur, le frein de parc. Alors, hop, le temps de vol. Donc 41 minutes, c'était un vol assez court, vous voyez.
Alors, on va enlever les wings off, beacon off, on va détacher les packs. On va enlever cette taxi light. J'enlève les manettes maintenant. Alors, on va appeler alors Jetway, les bagages, les power units. Et les passagers vont débarquer tranquillement. Ouais, Guillaume, on s'est posé. Oui, tu as raison, finalement, tu vois, on s'est posé avec 20 secondes seulement de retard, donc malgré les 5 minutes de retard au départ. Donc, ouais, tu as tout à fait raison, Guillaume. Prolet, à part l'anglais et le français, tu sais parler quelle langue? C'est tout. Je parle un peu espagnol, mais pas suffisamment. Jean-Paul, non, on n'a pas fait d'autoland, on a fait quand même, j'ai quand même repris en manuel, mais on a établi l'ILS jusqu'à qu'on voit bien la piste en tout cas. Merci Guillaume en tout cas. Merci The King of Security. Allez, on va regarder sur Volanta ce que donne notre vol. Oula, l'approche m'a l'air un petit peu compliquée. Alors, départ compliqué, arrivée compliquée, enfin bon, un peu moins compliqué. Donc vous voyez qu'en fait on est arrivé, on a fait vertical terrain, non pas qu'on l'ait vu la météo. Donc ensuite après je suis passé en heading mode pour m'éloigner un petit peu du terrain et pour ensuite après établir l'ILS sur la piste 20 tranquillement qu'on a établi sans problème. Je pense que c'était un atterrissage 134 feet par minute. Hein. Vous voyez quand même c'était un bel atterrissage et quand même important, on est quand même très proche des marques qui est quand même plus important que de faire un atterrissage doux, j'ai envie de dire, c'est de se poser vraiment au niveau des marques pour respecter les distances. Puis après, on a fait notre roulage rapidement vers notre porte. Voilà, donc voici à peu près le trajet du jour depuis Queenstown, ce très sympathique aéroport. Et je vais donc terminer, hop, c'est vrai que je ne le fais pas forcément live, on va terminer le vol, les passagers soft landing, vous voyez, ils l'ont indiqué. Donc on va enregistrer ce vol là, hop, voici qui est très bien. Et je vais vous remercier pour le live d'aujourd'hui. Aboubacar, oui, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, je sais qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu déçus. Les lives ne sont pas forcément de la même longueur, il y a des lives plus ou moins longs. Parce qu'on fait toujours un vol, parfois on en fait plus. Mais aujourd'hui on n'en fait qu'un. Le but c'était surtout de pouvoir rejoindre l'aéroport de Christchurch qui nous offrira plus d'opportunités. Pour la suite, donc surtout très important, faites vos propositions de vol dans Discord pour savoir quel live vous voulez avoir dimanche. J'ai ma petite idée, on fera peut-être une exception avec une surprise, peut-être avec le 330 Neo, à voir si c'est possible de le faire fonctionner sur un vol un peu plus long. En tout cas, merci d'avoir été présent et bonne semaine à vous. Ciao!